peu importe, mais vous êtes dans la zone et vous ne sentez pas les balles. Si vous sentez les balles, c'est deux coups. Hein. C'est à chaque fois. On dit coup et distance, un point de pénalité, c'est faux. Ça vous fait perdre deux coups parce que vous revenez au même niveau. Donc, voilà. Faut éviter ça. Vous avez qu'un jour, il faut, voilà, faut assurer. Et puis, entre une balle tapée fort et une balle tapée cool, ce qu'il faut juste aussi se mettre en tête, c'est que la balle tapée cool, elle va pas forcément moins loin. Donc là, la balle tapée fort, je me déchausse, voilà, je tape fort. On regarde où ça atterrit. C'est un peu plus la balle. Et puis la balle tapée cool. Voilà. Quand vous allez regarder la distance totale, vous allez faire maximum 5-10 mètres sur un fer. Maximum 5 mètres, on va dire. Un peu de portée. Perdre, c'est pas sûr, hein. Je dis perdre parce qu'on tape plus cool. Mais souvent, en fait, quand on tape plus cool avec le corps, le club, fait plus de bruit. Si il fait plus de bruit, vous allez plus loin. Donc, c'est des a priori qu'il faut casser, ça aussi. Hein. À placer, à jouer simple, vous gagnez. Vous sentez toujours dans le podium. De jouer son index déjà. Vous jouez votre index, ouais, sur des parcours. Dites-vous bien que les seuls qui connaissent le parcours, c'est ceux qui jouent sur ce golf-là. C'est tout. Et encore, c'est pas sûr que les mecs qui jouent sur ce golf-là. Voilà. Voilà, au pire. Alors maintenant, tu fais. Alors, voilà, regarde. Au pire, tu vois, c'est pas trop à droite. Maintenant, tu lâches plus tes mains, t'es plus décontracté. T'as plus confiance. Tu joues la ligne droite, mais tu joues plus en confiance.